les Américains avaient créé un terme qui tombait un peu en désuétude, qui était science fantasy, le mélange des genres. Donc les frontières sont très poreuses. Il y a eu aussi, par exemple, des romans qui ont été catalogués en science-fiction. Il y en a un, naturellement, que j'ai une mauvaise mémoire, le titre m'échappe juste maintenant, qui était remarquable, d'un romancier australien. Donc c'est une exploration, un vaisseau d'exploration spatiale. Le capitaine est un vampire. Parce qu'évidemment, les vampires, eux, ils vivent éternellement. Donc c'est quand même mieux, hein, sur la durée, d'avoir un équipage avec un capitaine vampire. Où est la frontière? Ça se classe dans les deux. Mais ça, Dieu merci, ce sont des problèmes pour vous qui êtes bibliothécaire, de savoir comment vous allez les cataloguer. Moi, dans la bibliothèque, je mets tout ça en vrac. J'ai pas besoin de me poser de problème. D'autres questions? Oh, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté patiemment. Vous enverrez la liste bibliographique. Voilà. Oh.
Ben oui, alors là j'ai fait un petit peu en vrac, parce que sinon j'y ai pensé à... Mais je me suis fait à 3 heures, il y en a pour 3 heures, ou alors si je dois rester une heure, là ça représentera plus. Ah bah mais ah bah ça, alors là ça me fait très plaisir. Alors là vraiment merci. Non j'ai hésité. Moi j'aime beaucoup Coblet, vous avez vu, mais c'est un nouvel auteur, c'est son premier roman, alors il y en a bien, il y a des choix. Voilà. Mais bon, puisque vous avez mes petits coups de cœur sur AQSL, bon bah merci. Et vous avez vu, je suis un lecteur très éclectique. C'est pas de la science-fiction, mais c'est moi je le classe dans le fantastique, même pas dans la biblique, bien qu'il y ait des vampires, des héroïnes, etc. Mais je suis aussi, moi, je suis un grand amateur de biblique, et j'ai tendance à faire des à ce moment-là, je fais partie du tout puriste. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de venir au Futurial au mois de mai. C'est à Aulnay-sous-Bois, au mois de mai. Vous arrivez de... Ah. Tu vas à 4h du matin pour aller à la côte. Parce que au Futurial, je vais faire une conférence sur la vie. Parce que je suis considéré aussi comme l'un des grands scénaristes. J'ai un bon panorama et